petit peu à Pauline Cousin pour arriver sur ce ballon. Colletti encore. Allez, Colletti, la tête à fin. Allez, j'ai qui passé sur le poteau. Suite de la Leclerc. Leclerc qui va tenter également. Alors, vous avez vu la gardienne avancer vers les Frogs, sauvée par son poteau sur cette superbe frappe de la capitaine française. Quelle action de Sandy Toletti. Elle se pose pas de question là. Elle déclenche cette frappe somptueuse en extension. Et derrière, elle est pas loin, la frappe de l'intérieur du pied, regardez, elle est pas évidente à prendre. Impeccable. Et juste sur le poteau. Ben voilà le premier éclair, Nicolas, de cet après-midi suisse. La première occasion dans cette partie. Première grosse occasion, ce poteau. Et la 13e minute. Poteau de la capitaine Sandy Toletti. Bremer. Elle a aussi obligé de jouer loin. Avec ce jeu long et bonne couverture française. Toukara. Ça va être un ballon allemand. Ils sont souvent deux quand même sur la porteuse de balle, les Allemandes. Et Meister la touche. Et Carrage. On joue avec sa gardienne. On a un peu de temps pour respirer un peu. Et envoyer loin devant. Et deux clairs de la tête. Je remets dans l'axe. Et Toletti un petit peu court. On va mettre en fond. On va faire le Wester. Il manque un peu sa passe derrière. C'est dommage. Allez, les lignes qui s'écartent un petit peu là sur ce genre de récupération. Une touche de balle entre Toletti et Blanchard. Se trouve bien le demi de terrain française. Ça joue côté français avant ce premier quart d'heure. De clair prise. On attend la fin du premier quart d'heure. Mi-temps de 40 minutes, je vous le rappelle, dans cette catégorie d'âge. Et une grosse occasion dans ce match, un poteau français. Ce stade est colorant ici à Nyon.